Cet endroit me dit quelque chose. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Tu te demandes si je suis un ruffian, un vagabond qui n'aurait pas sa place ici. Sache que je suis le fils du roi Charaman et le frère du prince Malik qui règne ici au nom de notre père. Je ne suis pas à la recherche d'une armée mythique. On m'a envoyé auprès de mon frère afin qu'un jour je devienne un aussi grand chef que lui. Cette terre était autrefois au cœur de l'immense empire du roi Salomon. Selon la légende, elle détient un secret que nous devons protéger. C'est peut-être pour cela que la forteresse est en convoitée par les royaumes voisins. Malik a été envoyé ici pour donner à l'armée un commandant fort et décourager les attaques. Malgré sa force légendaire, Malik ne pouvait les décourager tous. Chaleureux que j'attendais. Je dois retrouver Malik. Il saura comment sortir d'ici. De monter ici. Et il faut reconnaître que la vue est magnifique.
J'ai l'étrange impression que nous sommes loin d'avoir l'avantage dans ce combat. Le seul moyen de sortir, c'est de grimper. Au moins, ici, je ne me fais pas tirer dessus. Enfin, pas encore. Tiens, ça aussi, ça me rappelle Azad. On dirait que c'est de pire en pire. Laissez passer le prince! Malik! Il ne doit pas m'entendre avec la fureur du combat. Apparemment, je peux m'accrocher ici. Reculez ! Thank you.
n'arrêterai jamais Malik. C'est comme ça que tu traites la famille ? Tu choisis mal ton moment pour venir. Je dirais plutôt que tu choisis mal ton moment pour faire la guerre. Bien, à ta prochaine visite, je supplierai mes ennemis de ne pas m'attaquer. Tu tombes vraiment bien. Nous devons ouvrir ces portes. Les mécanismes se trouvent sur ces tours. Une fois que tu les auras activés, les portes s'ouvriront. Je suppose que comme tu es déjà monté, ça ne posera aucun problème. En effet. Bien. Ensuite, redescends vite. Je ne veux pas avoir à dire à notre père que tu t'es blessé sous ma garde. Ta garde ? Allez, vite ! Je te rejoins, ouais, c'est ça. Et je vais prendre le chemin le plus long, ce sera plus simple. Arrêté au bain pour me reposer. Ensuite, un bon repas, et voilà.
Je suis fin prêt pour t'aider à défendre ton royaume. Reculez! Vers les portes! Quand j'en ai pas croché! Puisqu'il vous a été rassuré! Cette porte mène au caveau, au trésor. Tu dois trouver un moyen de passer. Se retranche dans le caveau. Est-ce qu'il projette de libérer l'armée du roi Salomon? Il serait fou de compter sur une armée mythique pour empêcher l'invasion. Il faut que je le prévienne. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Dans le caveau, j'ai compris pourquoi Malik était venu. Il avait placé son dernier espoir dans l'armée. Sa seule autre option était la retraite et la défaite.